la situation économique est compliquée. Et puis, de fait, des problèmes de précarité apparaissent. On a deux actions principales aujourd'hui. La première, c'est celle d'approvisionner les sites de distribution qui sont pilotés par Colis du Cœur. Et puis, parallèlement à ça, on poursuit notre mission d'aide alimentaire auprès des institutions qui bénéficient de nos produits de manière habituelle. L'approvisionnement des sites de distribution en colis, c'est une mission complémentaire que la Fondation Partage fait aujourd'hui par rapport à ses missions habituelles de lutte contre le gaspillage alimentaire, de réinsertion professionnelle et de réponse à la problématique de la précarité. Alors la thune, hormis le fait des conséquences financières, on a aussi la possibilité par ce moyen-là de pouvoir faire connaître la Fondation Partage. Depuis le mois de mars, où il y a une réponse très positive de la part des personnes qui sont sensibilisées par cette problématique de la précarité. On espère que ça continue et on espère que la thune va faire cette année exploser le chiffre habituel.